We need to think about patient first. I mean, that's why our health system exists. And the patient's needs, obviously, our health needs first. But being able to express yourself, being able to tell the person what's going on in a moment of stress, in a moment of pain. Si on peut pas le faire, ça peut mener à des problèmes, ça peut mener à des erreurs, ça peut mener à des diagnostics erronés. Alors c'est vraiment penser au patient d'abord, au traitement d'abord, et de laisser de côté toutes les questions politiques, culturelles, historiques qu'on connaît très bien, mais il faut vraiment penser au patient d'abord, et peu importe où on est dans la province. Je pense que c'est ça qui est la clé.